Avant la guerre, j'étais un jeune militaire de carrière idéaliste. L'honneur, la tradition, la patrie, j'y croyais à tout ça. Adjudant-chef du jeu. À vos ordres, mon commandant. Pourquoi il aboie comme ça, ce chien? C'est le chien du détenu, mon commandant. Vous comprenez, c'est le dernier. Son histoire de chien, ça attendrait le monde. Allez, debout, Morlac! Je suis le chef d'escadron Lantier du Grèce, chargé de juger votre affaire. On ne comprend pas qu'un type qui a reçu la Légion d'honneur puisse se rendre coupable de ce qui vous est reproché aujourd'hui. Il aurait vraiment fallu une action d'une bravoure exceptionnelle, non, pour qu'on vous décerne la Légion d'honneur. J'imagine que vous étiez ivre. J'étais pas saoul, je regrette rien. Et personne n'obligera à m'excuser. Vous le connaissiez, vous, ce Morlac, avant son coup d'éclat? Un drôle de type. Quand je l'ai vu passer le 14 juillet avec son chien, j'étais loin de me douter de la suite. Je m'attendais pas à un coup pareil. Avant la guerre, c'était un gars sans histoire, un gars comme les autres. Depuis quand vous connaissez Jacques Morlac? On m'a dit que tu vendais du foin? Oui. J'en ai besoin pour mes chèvres. Tu t'habilles toujours comme ça pour livrer du foin? Toi, tu mets toujours une blouse blanche pour travailler à ton jardin? Les nouvelles sont pas bonnes. Les généraux veulent plus d'hommes. Je vais te mobiliser, Valentine. Et à la fin de la guerre? Je l'ai pas revu avant qu'il fasse ce scandale et qu'on l'arrête. Il y a longtemps que vous l'avez, ce chien. Depuis le début. Allez! Viens! Viens, allez! Vous avez créé avec cette bête une relation de compagnon d'armes. Je veux pas que vous écriviez ça, c'est faux! Ce que j'ai fait, c'est contre les profiteurs qui envoient les autres se faire tuer à leur place! Et qu'il s'excuse. Et il refuse. Mais non seulement il refuse, mais il aggrave son cas en tenant des propos irresponsables. Insulter la nation, c'est inex, c'est la nation. Je vais beaucoup trop donner à la nation. On dirait qu'il s'obstine à vouloir être condamné. Je vous en supplie, monsieur. Dites-lui qu'il revienne, son fils et moi, on l'attend. L'héroïsme, la bravoure, le patriotisme, il y a encore des malheureux qui croient en ces conneries. La justice est là pour protéger la société. La protéger de qui? Qui est coupable? Qui est innocent? S'il condamne ce gars-là, ce serait une grande injustice. Vous savez de quoi on l'accuse? Allez-y, fusillez-moi. Feu! C'est à la guerre que les hommes montrent leur vraie nature. Reprenons les faits qui vous sont reprochés. Tout s'est passé le 14 juillet 1919 sur la Grand Place. Si tu veux qu'il sorte, tu lui fais comprendre qu'il doit s'excuser. Et puis comme ça, vous repartirez ensemble.